plus commun là. Pourquoi pas se retenter le Resident Evil 4 original? Ah, wow. Ah oui, alors, ah oui, d'accord. On peut toujours faire ça. Ça, c'est excellent, ça. Alors, je vais passer du temps à réarranger la mallette, je vous préviens. Ah, on l'entend tous, il est comme moi. Il est malade. Bah alors, Rodrigo, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Le mec, il arrive comme ça et... Oui, il est pas content. Ouais, va regarder Léon et il a pas l'air bien. Il a l'air fatigué, il a l'air malade. On s'en fout, nickel, on s'en fout. Empieza a rezar! C'est génial. Oh, génial! Paf! En plein dans la mouillasse! On va dérober l'entièreté du PIB de l'Espagne. Parce que Léon, il est comme ça. Il veut bien tuer des autochtones, mais au moins ça lui rapporte de la thune. Voilà. Un forastero! Hop! Funky kick, kick. Voilà. Comme ça, t'auras plus mal aux dents. Faut faire gaffe parce que des fois, il y a des serpents dans les caisses. Ah ouais, mais ça, pareil, ils l'ont pas mis dans le remake, quoi. L'égalité des sexes sont de mise ici. Il faut la trouver vite. Non, mais ça, c'est énorme. Moi, j'avais vu ça la première fois, je me suis dit, wow, la vache! Ah ouais, non, ils sont hostiles. Ah, la poule de la moitié. Et on va tout de suite monter, récupérer le shotgun. Prends-moi ça. Hop, prends-moi ça. Prends-moi ça. Vire-moi ça. Putain, il est déjà en bas, l'autre. Olé! Oh putain! Oui, bah, détresse des petits imbéciles, toi, ouais. Il s'agit d'être intelligent. Oh putain, la vieille, elle va m'avoir. J'avais été sûr, putain. Il s'agit d'être intelligent. Ça pas un peu con, lui? On dirait qu'il se reproduit avec l'armoire. À savoir. Oh merde, j'ai défoncé une poule, je crois. Aïe! Ah non, merde, je crois qu'il a sauté. Sacré Léon. C'est beaucoup de risques pour pas grand-chose. Et je trouve ça absolument insupportable que tout soit en désordre. Donc on va mettre les soins ensemble, les grenades ensemble. Ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Il n'y a pas un serpent là-dedans? Non, il n'y a rien. Alors là, dans la vie normale, le mec n'a plus de tibia, il meurt direct. Parce qu'il avait des... Hello there. Ça fait peur, ce con de poule, cette conne de poule. So uncivilized. Hop là, je brûle. Il y en a un là. Mais putain! Alors il faut savoir que Léon tremble, hein. Il a un peu la tremblote, donc des fois c'est pas évident de tirer où on veut. Non, non, tu es d'une mauvaise foi remarquable. En plein dans la mouillasse. Il me semblait bien qu'il y avait un truc un peu secret ici. Voilà, on tombe là-dedans. On peut pousser ceci. Et on tombe. Et en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien, sérieux? Oh, avec Léon la tremblote, c'est compliqué. Hein. Oh, on aurait vu nickel, on s'en fout. Ferme-la. Oh, et vers le marchand. Thank you. Ah ouais, il est génial le marchand. Thank you. Et là, on va avoir, attention, mémoire d'éléphant mammouth. On va avoir des balles de sniper là. Oh là 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 là. I'll buy it at a high price. Thank you. Aïe! Oh, ça va être l'enfer ici. Voilà, on va devoir traverser tout ça et il y en a partout. Oh non, tu lui as tiré dans la bite. T'as aucune excuse, ça mec, faut jamais lui tirer dans la bite. Oh! Merci! Oh! Voilà, lui il m'aide bien lui. Ouais par contre, calme-toi quand même. Kung Fu! Kung Fu! Ah le Kung Fu c'est génial. Double esquive. Ça devrait le calmer. Voilà. Ouh! Elle m'a fait peur, ce con! Ah, le fumier! J'ai entendu une porte s'ouvrir là, non? Non.
On vous a jamais appris à crever? On vous a pas appris à crever? Tu crois que je t'ai pas vu? Putain, mais où est-ce qu'ils sont ces poissons de cons là? Alambre contre el pescado. Barracuda! Barracuda! Tu vas mourir, saloperie? Ben voilà, on a des poiscailles en plus maintenant. Tant qu'à éradiquer l'Espagne en terre, autant ne pas oublier les poissons. Il est là, le serpent. Non. Ou alors il est là. Non! Ah non, il me semblait qu'il y avait des serpents dans les trucs comme ça. Qu'est-ce que tu dis, toi? Cette panneau, ah, c'est notre piège. Bah oui, sûrement, trop de balles. Tu n'es vraiment pas très sympa. Alors, une grosse boule, on dirait qu'on peut la tourner. Hop. Hop. Voilà. Quelle énigme incroyable. Leon, non, 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 non. Ferme-la. Donc on s'est fait attaquer par Bitterless Man. Surprise, motherfucker. Oh merde! Putain, il m'a fait peur ce con, là. Je m'attendais pas à ce qu'il soit là. Alors, El Doctor Salvador. On va essayer de faire ça intelligemment. C'est-à-dire pas comme ça. Everybody was kung fu fighting. Ah, mais il est là le serpent, j'en suis sûr. Ah non, mais... Il n'y a pas de serpent dans ce jeu, en fait. Et puis quand je vais me dire ça, je vais plus faire attention, il va y en avoir un qui va me défoncer, la mouillée 108. Je le sais très bien. Oh, ça va être une catastrophe. Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ça va être une tragédie, ce truc-là. Coucou. Ah. Alors, quelles sont mes options? Ah bah voilà. Affaire réglée. Ah ouais, quand même. Putain, il est fort ce con. Oh, oh putain, il m'a fait peur. Allez, boum. Faut que je monte et que je recharge. Hop, 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 hop. Faire tomber. On recharge. Coucou. On les a gros tous, putain, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Sombre con. Je brûle. Il a des disques durs, c'est quoi ça? Donc ça... Examinar, il y a marqué. Énorme, j'avais pas fait exprès en plus. Welcome. Alors, t'as des disques durs à me vendre? Oh putain! Non mais là, ça va être l'enfer aussi. Oh, je sors. Oh putain! J'ai perdu de la vie bêtement là, avec ces deux cons là. Ils m'ont fait peur. Et puis, il va y avoir le serpent là. Je suis sûr qu'il y en a un. Non. Ah putain, encore des pécores là. Ouais, oh, Charlie Ingalls là, c'est bon là. Oh là là, ça c'est pas des trucs pour moi ça. Ça c'est des trucs de gens intelligents. N'importe quoi. Attends. Ah non, c'est bon là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Leon, have you reached the church yet? De toute façon, on peut pas y aller, elle est fermée, non? Eh ben voilà, bah pourquoi tu m'emmerdes alors? Alors qu'est-ce que tu m'emmerdes alors? La dame avait une voix d'homme. Non non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Vous n'êtes pas un homme, ah, pardon. Ah non. Ah, il est là. Le serpent, je sens qu'il est là. Ouh louloulou. Je sens qu'il est là. Attention. Oh, j'aurais été sûr. Et silence. Garde ta langue fourchue derrière tes dents. Je n'ai pas passé par le feu et la mort pour échanger des paroles malhonnêtes avec un vil serpent. En plein dans la mouillasse. Wow! Tu veux pas me filer 2-3 échantillons gratuits là parce que... Alors oui, bah oui, bah oui. Comme un con, j'ai utilisé mes œufs. Hein, mes œufs dorés, mes œufs trucs. Mais il y avait des poiscailles. Pourquoi j'ai pas bouffé mes poissons? Moi, je suis con. Il est con celui-là aussi. Ah! Ok. Il y en a deux.
Enlevez ces deux cons qui sont là-bas. Je te calme tout de suite, papy là. C'est une blague, putain! J'aurais carrément dû le taper là. Putain, comment perdre de la vie bêtement, quoi. C'est chiant, vraiment. Hein. C'est chiant, vraiment. Oh! Oh! Putain, j'ai l'esquive de la palourde. Ça veut absolument rien dire. Quoi? Il y avait un œuf d'or. Hein. Il y avait un œuf d'or, je l'ai vu. Putain, mais c'est quoi ce bug de con, là? Il y avait un œuf d'or, je l'ai vu. Oh, putain, c'est dégueulasse. Oh, mais non. Ah, je l'ai pas, hein. Estas lindo, c'est gentil, ça. Tu es mignon, mais tu es un tout petit peu con. Attention. Donne-moi mon œuf, hein. Que ça va bien, les conneries, là. Ah, il y a un serpent, là. Il y a un serpent. Ah non. Le mec, il est traumatisé par les serpents. Merde. Petite promenade sur le lac tranquillou. Mais d'un coup... Mais je suis nul ou quoi, là? Mais what? T'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Oh bah putain! Ça y est, tu me décides à tirer droit? Oh putain, mais c'est pas possible! La vache! Oh la saleté, quoi! Putain, mais je joue tellement mal! Non, ça va être l'enfer ici aussi, là. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. Eh ben j'ai pas de temps à perdre alors, ferme-la, physiquement. Ferme-la par contre, physiquement, ferme-la. C'est pas pratique d'accès chez toi. Comment on pourrait l'appeler lui? Roberto. Umberto. Rodrigo. Rodrigo, tiens, on va l'appeler. T'as une bonne tête de Rodrigo. Si, une bonne tête de Rodrigo. Hop là, je brûle. Oh, non mais là, ça va être l'enfer. Je ne savais pas que c'était vraiment en direct. Bah si, c'est le principe du live, qui veut dire direct en anglais. Ciao, akatakamakamakam. Hakuna Matata, je vais t'appeler. C'est mieux. Oui, c'est ça, on a compris. Une secte de pécores qui fait des portes d'église qu'on ne peut ouvrir qu'avec ça. Voilà. Donc c'est un truc qui doit faire 40 kilos. Il fait la taille du thorax de Léon. Tout le monde se balade avec ça pour aller à l'église le dimanche. Tout va bien. Mais non, mais alors là, il va y avoir les chiens. Ça va être une... Alors je sais, à chaque fois je dis ça va être l'enfer, au final ça passe bien. Mais non, là ça va être compliqué. Mais non, là ça va être le boss, là ça va être le... Ah, ça va être le troll du Seigneur des Anneaux, là. Cette scène, elle est épique. Il y en a un qui va se manger un coup de pied en pleine mâchoire. Il va se faire défragmenter la caboche en 54. La vache! Cette défragmentation de la mâchoire frontale! Ça commence très bien. Ça commence superbement bien. Mais on s'en est plutôt bien tiré. On s'est pris un vieux coup de latte au début. Mais ça va, on s'en sort plutôt bien. Qui ouvre cette grille? On sait pas. Ce qui est bien, c'est qu'avec les grilles en bois automatique. Ouais, c'est là. Les chiens, c'est pas cool. Suivez-moi. Ah, c'est là. Mais non! Putain! Mais non, putain! Non mais vous voyez, en deux coups, t'es mort, quoi. T'es mauvais! Impossible de voir, mais tu rigoles ou quoi? Bien sûr que c'est possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Pardon. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Je me demande si c'est une religion locale. Non. Bah non, t'es dans une église, il y a des symboles partout. Je sais pas pourquoi tu penses à une religion. Heureusement qu'il est malin, Léon, quand même, parce que putain. Faites un bon truc, hein, je le vois ça, hein. Maybe. I'm under the president's order to rescue you. My father? Elle est insupportable. Non, ferme-la, à tout jamais, physiquement.
Ah ouais, non, mais c'est l'enfer, là. Bonjour. Welcome. Welcome. T'as des nouveaux trucs. Le Red Nine. Alors ça, on le prend direct. C'est la meilleure arme du jeu. Et ça, ce pistolet, je le garde jusqu'à la fin des temps. Follow me. Je vais les revendre quand même ça, la Spinel. Ah, t'es sérieux? Il faut que je la rattrape? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, viens! Oh, quoi que là, je vais les revendre plus tard, la prochaine fois qu'on se verra. Et que c'est fou! Oh, mais non, mais tu comprends rien, toi! Monte, grognasse! Allez hop! Mais c'est tellement réducteur. Quoi? Et on ouvre les portes comme ça, hein, je te préviens. Toi aussi. Alors en fait, ce que vous venez de faire, c'est super, ça s'appelle... Alors sinon, en anglais, ça s'appelle aussi du mansplaining. Comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, moi je suis toi, ma chérie, parce que tu sais, ça va finir en main courante, cette histoire. Salut. On va faire un tour vite fait là-bas. Je suis désolé, c'est un peu long. Mais il faut être... Il faut pas s'énerver, comme dirait l'autre. Faut pas s'énerver. J'ai le doigt autour de votre gorge, mon pauvre ami. Si je serre... Si je reste, ça va mieux. J'ai les doigts autour de votre gorge, mon pauvre ami. Si je serre... Ça sert à mieux, ça sert que... Pour ceux qui ont la ref... Si vous ne l'avez pas, vous êtes peut-être une âme pure. Et puis jusque-là, à bientôt. Portez-vous bien. Mettez des babouches.